Fais pas ça, fais ça, écoute, 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 t'as la vie de ma mère. Écoute, t'as un chien, t'es mort, tu m'as enfermé. Jordan, Jordan. C'est parti. Mesdames et messieurs, on est super heureux et ravis de vous retrouver pour un nouveau lundi soir avec une émission de folie. Et elle a un nom, elle s'appelle Proposer un nom, justement. Vous allez tout comprendre, on est super bien accompagnés parce qu'on va refaire l'aventure Minecraft. Rappelez-vous, on l'avait fait avec Manuel Ferrara et Mikalo. Ça avait été difficile parce que certains débutaient. Mais là, on a sorti ce qui se fait de mieux, je pense, dans le Minecraft français. Non, mais arrête de toujours... Le top du top, regardez à ma droite. Ah oui, en termes des invités. Ok, ok, ah bah je crois oui. que tu parlais de... Okay, okay, ah non, je parle pas du mode. Gil est avec nous, mesdames et Bonjour. Messieurs. Gil, j'ai vu sur Twitter ta carrière en ce moment, elle stonks. Hein. Tout le monde se dit, mais on le retrouve partout, toujours dans les bons plans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Quel a été le moment déclencheur? Ta invitation au Streamer Battle, peut-être? Ouais, je pense que ça. Ça le mec avait prévu son. En vrai, tu rigoles, mais Tu dois remercier dans ta vie. Je rigole. Ah bah, étoile essentiellement. Hein. C'est moi, je peux le dire, hein. Complètement étoile. Hein. Ouais, c'est un plaisir d'être là en tout cas. J'espère qu'on va faire un truc sympa ce soir, que ça plaira aussi au chat. Et puis. Mais du coup, vraie question, est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder un lundi, parce que c'est vrai qu'on est rarement sur Minecraft, on l'est un peu plus en 2021, mais avant ça c'était très très rare. Est-ce que ça t'a intéressé de passer un de ces quatre sur la Goat Academy, parce qu'il y avait des invités particuliers ou... Je regardais pour la curiosité un petit peu, mais là il y a pas longtemps vous avez fait avec Michou aussi, je regardais un petit peu pour la curiosité. Par contre je me suis pas spoil avec ce que vous avez fait la dernière fois avec Mika, histoire de garder un peu la surprise. Après attends, c'est à level up, parce que toi c'était un peu la version brouillon, là c'est la... Ah non mais là voilà, c'est on montre une autre... Là on arrive, normalement... on est confiant dans notre produit. Non, calme-toi. Non, on est confiant. Calme-toi, présente moi, je vous le dis. Notre deuxième invité, c'est effectivement depuis tout à l'heure dans le chat, ça fait pas mal spammer. Mais c'est pour ça, on vous a laissé le temps voilà de vous y préparer, parce qu'une fois que vous l'avez vu, ça change votre vie à tout jamais et vous serez à mon avis étonné de voir ce que vous allez ressentir dans quelques instants. On accueille Matox, mesdames et messieurs. Bonsoir tout le monde. Oh la pression. C'est la première fois qu'il se met de l'énergie hein. Non mais ça colle tout. Je suis intimidé voilà. Matox. Reste quand même à ta place. Comment tu vas mon frérot? Un peu stressé mais ça va. Eh tu vas voir qu'ici voilà, c'est le début, c'est normal, tu prends tes marques. Tu fais souvent des choses en dehors de chez toi ou t'as beaucoup stream? C'est la première fois que je sors comme ça. Enfin, pas mal, ok. La deuxième fois. Toi, Gil, t'avais fait Mario Kart récemment avec le stream et plein d'autres choses, j'imagine. Non. Voilà. Du coup, Matox, effectivement, présente-toi un peu pour ceux qui te découvrent pour la première fois. J'espère que t'es content d'être parmi nous. Oui, bah évidemment, c'est un honneur même. Mais non, présentation, je sais pas, je suis quelqu'un de simple, hein. J'aime les culs. J'aime les cubes et On a des invités des fois et du coup je m'attendais pas à... Je touche à tout sur Minecraft. Tu touches à tout. T'as une voix très relaxante. Ouais. Ah bah. J'ai déjà vu dans tes vidéos, mais c'est vrai que t'as une voix très relaxante. Bah, c'est gentil. J'avoue que bah, comme toi, que j'étais beaucoup connu pour le speedrun, parce qu'à un moment t'avais le World Record, je sais pas si tu l'as toujours, il me semble. Ça dépend dans quelle catégorie. Fais gaffe, parce qu'il y a Bibi là. Ah pardon, excuse-moi. Iflex, ça dépend dans quelle catégorie. Moi j'en ai 6 en fait des World Records. Ah, ouais, t'en as 3. Ah, t'en as plus. 14. T'as pas le record du monde de l'entrée dans le Nether? En 10 secondes. En 10 secondes, t'étais dans le Nether? C'est un peu aussi. Et quand tu en 10 secondes, la chance. Tu appars à côté d'un portail abandonné, tu ouvres le coffre, il y a de l'obsidie et tu rentres et faut être rapide. Du coup, c'est juste au mec qui a lancé le plus de game. C'est RNG là, c'est pas celui qui. Ouais, c'est RNG, mais c'est parti. Tu vas avoir la rapidité d'esprit, tu vois. Bien sûr, je peux comprendre dans quel. Parce que tu t'attendais pas à ce moment-là de le faire. Non. Ouais, tu peux pas t'y préparer quoi. Puis même de toute façon, Minecraft ça reste de la chance donc. À peu près, t'as combien de World Records là? Genre, c'est quoi les titres de World Records? L'entrée du Nether, le Kill Wither. Après, je sais pas ce qu'il y a. Il y a obtenir tous les types de minerais. C'est plein de petites catégories à droite à gauche comme ça qui sont sympas, mais. Ah si, il y a le 3, le All Bosses. Tu es le Dragon, le Wither et le Guardian. Combien de temps? 39 minutes. Oh. 39 minutes, on se fait une pioche nous, genre. Ouais, en fait, ce qui est aussi intéressant, lui, avec ses records du monde, c'est qu'il fait aussi des vidéos qui expliquent justement ses stratégies. Ouais, et donc, pour les gens qui avec ont envie de s'y mettre. Avec sa voix reposante, ouais. C'est très bien expliqué. Du coup, pour les gens qui veulent s'y mettre et qui veulent s'intéresser au speedrun pour la première fois, il explique très très bien. Ouais. Donc, Mais j'avais une question pour toi, Matox. En tant que compétiteur, on va dire speedrunner sur Minecraft, tu regardes ce que font les autres. Bien sûr. Est-ce que tu es au courant d'un nouveau là qui performe pas mal dans ce milieu là, qui essaie de se faire sa place? Qui commence à me faire changer. Nommé Bibi. C'est l'heure. Ok. Non, me dis pas que. Me dis. Non. Attends. The free title screen button. Est-ce qu'il fait peur? Franchement, là, est-ce que t'endors la nuit? Bah, tu sais que le speedrun dragon, j'avais arrêté pendant 3-4 mois. Et là, le fait qu'il en refasse, je me suis senti menacé et j'ai recommencé. Pour lui montrer? Bah ouais. Et qu'est-ce que t'en penses de son niveau, de ses capacités? Il y en a beaucoup qui le chambrent, mais il a des mécaniques de base. S'il se concentrait plus, je pense qu'il arriverait à faire des temps sympas. Des temps sympas, quoi. Voilà. C'est juste que c'est un animateur. Là, je te sens poli. Bah, non, mais en même temps, moi, je l'aime bien, Bibi. Genre, j'ai pas de raison. Ah, mais il est sympa, tant qu'il reste derrière. Un gamin. Comme sur Mario Kart, quoi. Tant qu'il reste derrière. On est parti
pour vous expliquer ce conseil, alors qu'il n'a pas de nom, tu l'as dit Gotha. Ça va être tout le principe ce soir d'essayer de trouver un nom avec le chat. Et je crois que ça fait partie des défis, il me semble. Tous les quatre, on est ensemble, c'est de la coopération, même si vous allez comprendre qu'on a aussi chacun des choses individuellement à faire. L'idée pour nous quatre, c'est de faire un maximum de défis en 2h30 pour faire diminuer le nombre de subs à offrir. On démarre la cagnotte à 300 subs, ouais, 300. Et chaque défi nous fera descendre cette cagnotte au fur et à mesure, tant qu'on réussira à en faire en 2h30. Les défis tiers 1 enlèveront 5 subs supplémentaires, et donc techniquement, c'est des tiers 1, donc c'est censé être des défis assez faciles à faire. On passe maintenant au défi tiers 2, et eux seront 10 subs en moins dans la cagnotte si on parvient à les réaliser. Par exemple, dans les subs tiers 2, on a avoir les 4 joueurs dans l'end à un moment de la soirée, dans les 2h30. C'est possible, ça, Matos? Mais bien sûr, c'est gros, il le fait en 10 minutes. Ok, juste qu'on sera dans ses pattes, il nous dira c'est bon, les gars, c'est ouvert, venez. Regardons rapidement les tiers 3, c'est la même mécanique, sauf que là, ça sera 20 subs en moins. Et je vous le dis, messieurs, si on réussit tous les défis tiers 1, tiers 2, tiers 3, la cagnotte tombera, elle, à 0 sub. Donc on repartira comme on est venu, sans rien dépenser. Et c'est pour ça qu'on aime ce milieu. Par contre, il y a aussi d'autres petites choses qu'il va falloir faire attention, des règles indépendantes, on appelle ça comme ça. Si un d'entre nous meurt dans la lave, ça sera 10 subs en plus dans le compteur commun. Donc là, effectivement, il suffit qu'il y en ait un qui meurt dans la lave, et quoi qu'il arrive, on n'atteindra plus jamais les 0 subs, même si on fait tous les défis. Parce qu'il va être dur. Genre là, quand tu vois les défis, toi, t'es comment? Tu peux tout faire? Il n'y a rien qui t'inquiète. Attends, la soirée de base, c'est 2h30 à peu près. Ouais. Genre là, quand tu dis tous les défis, toi tout seul, sans nous, tu ferais tout ça en combien de temps? Franchement, si je suis organisé, je pense en 2 heures, c'est fait. Après, faut de la luck. Parce que les têtes de Wizard, ça peut prendre genre 5 minutes, comme une demi-heure, voire plus. C'est pour ça qu'il faut se répartir surtout sur ce genre de truc là. Les têtes de Wizard et tout ça, c'est pas grave. Je veux dire un truc, dans Minecraft, il y a des advancements, c'est des succès. Il y a un speedrun qui consiste de les faire tous à la suite. C'est un speedrun, le record du monde, il est à 7 heures. Moi, j'ai tenté de le faire, c'est une catégorie qui est assez compliquée. En 2 heures, j'avais quasiment tous les défis qui sont listés. Il y a plein de trucs en fait qui sont très chiants, qui demandent de l'exploration. Mais là, en gros, le Wizard, le dragon, en 2 heures, c'était fait. Ok. Pardon, excuse-moi, mais je suis sous le choc. Ça m'impressionne. Après, okay, quand tu connais le jeu et que tu es organisé, ça passe tout seul. Mais Gil, toi, tu feras en combien de temps? Parce que toi, t'es quand même expérimenté aussi. Moi? Là? Toi, t'es humain, toi. Je finis pas, là, en 2h30. Voilà, okay. Non, mais là, je finis pas, là. Hein. Juste après, vous avez aussi le compte-up de subs personnels. Parce que vous allez voir qu'on peut, en échange d'indices, se prendre des subs personnels en plus dans notre cagnotte qu'on devra payer à la fin. Bah après, par contre, t'as fait le malin. Donc là, t'as intérêt, si tu échoues sur le dragon. Non, mais j'ai la pression aussi. Surtout qu'en plus, on n'a pas précisé, mais Matox, c'est la première fois qu'il se montre réellement. Comment on est sûr que c'est lui? Attends, ouais. À savoir. On va passer dans une instant à les explications de Gil. Juste toutes les 35 minutes ou 20, à plusieurs moments dans la soirée, il va y avoir ce qu'on appelle des happenings. C'est-à-dire qu'on va être averti 2 minutes avant que quelque chose va se passer. On va tous être téléportés à un point et on aura une mission commune à faire. Une fois qu'on aura rempli cette mission ou échoué, on sera re-téléporté là où on était pour continuer notre aventure. Et ce temps-là ne sera pas pris dans nos 2h30. Pensez à ça, ça va être des choses importantes pour gagner des subs ou alors en enlever dans la cagnotte. Gil, je te donne la main. Tu passes sur la dernière partie, c'est l'explication in-game de toutes les petites spécificités qu'on a grâce au mode qui a été codé par la G-Corp. Nous avons déjà un livre qui, du coup, est le menu principal. Ce livre-là est divisé du coup en 4 catégories. Il y a déjà la catégorie des défis qu'on peut aller voir. Et en fait, c'est tous les défis qu'on va devoir faire justement ce soir qui sont répertoriés en 3 catégories. Donc les tiers 1 qui sont quand même assez accessibles et faciles. Les tiers 2 qui commencent à être un petit peu plus durs. Et les tiers 3 qui sont vraiment compliqués pour la plupart. Si jamais on réussit par exemple un défi, donc par exemple je choisis celui-là avec le MLG, ça va retirer 5 subs dans la cagnotte totale. Et par contre, il y a aussi une possibilité, c'est que si par exemple il y a un défi, c'est cuisiner un gâteau, on ne sait pas comment faire ce gâteau justement, on a la possibilité de choisir un indice, d'avoir un indice, donc en faisant un clic droit. Sauf que là, ça rajoutera du coup un sub dans notre cagnotte personnelle. Ce qui fait que dans tous les cas, on devra donner quelque chose à la fin. Ensuite, si jamais on meurt, du coup, t'avais dit que ça rajoutait des subs. Il y a aussi moyen de rattraper son stuff parce qu'on perd pas tout. On m'a dit qu'on perdait uniquement les minerais. Il y a moyen qu'on récupère justement notre stuff qui sera positionné dans un coffre à l'endroit de notre mort. Donc, on a la possibilité de récupérer son inventaire et avoir la position du cadavre. Donc, en gros, ça coûte un petit peu moins cher. Alors, si on veut retourner la main. La position, c'est 3 subs et du coup, récupérer les objets. Donc, à l'endroit où t'es mort, si t'en te souviens, t'as pas besoin des coordonnées GPS du coup. Ouais. Et tu payes 5 subs pour avoir directement dans le coffre. Et la dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est justement la boussole. Du coup, qui nous permet aussi d'acheter directement des positions. Alors ça, on peut acheter la position des autres joueurs. On peut acheter aussi des structures. Si par exemple on veut aller directement dans un certain biome en particulier, par exemple une jungle, on peut l'acheter parce qu'il y a un défi par exemple, c'est faire une cabane dans une jungle, etc. Et on peut acheter directement aussi des monuments. Par exemple, si on veut directement dès le début de la partie avoir les coordonnées du stronghold, on peut très bien le faire. Et du coup, on donne des subs et c'est parti. Après, on peut y aller directement. Quoi. Dernier point. Rappelez-vous, si vous aviez déjà suivi la première soirée avec Gotaga, on avait tous une mission secrète imposée et on devait réussir à la faire en toute discrétion parce qu'à la fin, on avait émis cette idée, c'était de découvrir le secret des autres. Vous avez du coup 3 défis, tiers 1, tiers 2, tiers 3, c'est des défis secrets que le chat ne connaîtra pas, qu'on découvrira à la fin de la soirée. Faut pas faire les 3, faut en faire qu'un, vous allez devoir choisir. Si vous réussissez un défi tiers 1, ça sera 5 subs en moins dans votre cagnotte personnelle. Si vous réussissez un tiers 2, ça sera 15 subs en moins dans votre cagnotte personnelle. Si vous réussissez le tiers 3, ça sera 25 subs, mais par contre, faut le choisir avant que ça commence. Surtout que si on les rate, ça nous rajoute des subs. Exactement. Ça, si le défi est échoué ou non effectué, 5 subs s'ajouteront à votre compteur de subs personnel. Et du coup, à la fin, si le défi est découvert par les autres participants, ça sera 5 subs en plus. On est sur Guild qui découvre ses défis. En fait, j'hésite entre deux quoi. Parce qu'il y en a un, c'est plus pour le spectacle et il y en a un, c'est je suis sûr de le passer quoi. Je vais prendre, vas-y, je sais ce que je vais prendre, c'est bon, vas-y. Je donne pas trop d'indices.
10, mais okay. Je vois. Choisis, okay. C'est bon. Donc du coup, c'est à toi. À mon tour, effectivement. On est d'accord. Je crois qu'en plus les défis ont été faits en fonction du niveau de chacun aussi. Tu vois. Ah que ouais. Ça soit réalisable. Ok. Et Doig, choisis. Du coup, son tier 3, ça doit être faire une pioche. Et Matou, son tier 1, ça va tuer 3 Wizards en même temps. Ah bah. Tant mieux. Concentre-toi sur celui que t'as gardé. Franchement. Donc tu l'as. J'ai. Eh ben écoutez, je crois qu'on est prêt. On a tous du coup nos défis secrets. Vous voulez qu'on fasse quoi comme groupe? Vous voulez qu'on s'organise comment du coup? Là, je pense qu'il faut qu'on se split. Nous, on va faire les minutes avec Kota. Chacun fait des trucs un peu perso. De toute façon, ça s'enlève au fur et à mesure dès que quelqu'un valide le truc. Ouais, je pense que si on veut être efficace, faudrait qu'on soit deux dans le laser minimum. Bah, Guil et toi, on y va, Kota. Moi, je suis parti. Je commence à partir. Bah, je vais aller explorer l'océan parce que dans l'océan, il y a plein de stuff intéressant. Ah, mais tu vas random, toi, t'as même pas trouvé une ouverture. Est-ce que, en vrai, tant que je suis là, je pense que je vais aller chercher cuir et canne à sucre pour la table d'enchant aussi. Parce que on va avoir besoin dans tous les cas. Si, 87, 363. J'arrive tout de suite là. Je sais pas comment ils descendent, c'est bon, je vais trouver. Truc qu'on trouve là ? Non. Attends. Parce qu'il y a Masfer là, si vous voulez. Hein. Ouais, je le vois le faire. J'ai surtout un creeper. T'as entendu le creeper ? C'est moi, t'inquiète. Ah, mais non, c'était moi. Regarde, ah bon ? Je suis juste derrière toi. Les gars, j'ai un monument de guardian. Est-ce qu'on en a besoin ou pas ? Bah, je peux trouver 8 blocs de gold dedans. Est-ce qu'on en a besoin réellement du gold là dans les objectifs ? Pour faire toute une armure. Oui, toute une armure. Et j'ai déjà la TNT aussi, accessoirement. Ok, bah du coup, c'est bon, il reste plus qu'à tuer le creeper, c'est bon. Ouais. Avec. D'accord, pardon, excusez-moi, les gars. Matou, tu veux que je te fasse Sodo et tout ça déjà ? Comme ça, si on trouve un lac de lave, tu peux direct faire le portail ? Tu peux tenter. Tu m'envoies un peu de pierre, comme ça, je me fais déjà des trucs en pierre. Tiens, vas-y. Si t'as besoin pour aller miner direct. Comme ça, tu peux piquer dedans aussi. Ouais, parfait. Hop, tiens, je t'ai posé à côté. Comme ça, tu trouveras tout. Du coup, est-ce qu'on choisit des objectifs dedans ou... Après, là, j'ai vu un portail abandonné pas trop loin, donc je vais aller voir si je peux pas... Non, c'est normal, non ? Ah ouais ? Ah ouais ? What the fuck ? On va faire What the fuck. Du coup, tu disais quoi, Matox? Tu peux le faire maintenant Ouais, là je peux déjà aller dans le laser si vous voulez. J'ai 11 émeraudes donc c'est bon, pas besoin pour le bloc. Ouais. C'est bon, okay. Les gars, c'est fini en fait. Bah, l'émission est finie dans 10 minutes, les gars. Bah, dans 10 minutes, on va aller jouer à un autre jeu d'ailleurs. Ouais, dans 10 minutes, on va sur Fortnite, les gars, parce que bah, Matox en fait, il aura fait tous les défis du jeu. Quoi. J'ai un stack qui est tous de gold. Pardon? Bah, j'ai fait le temple. Quoi? Il a déjà un stack ennemi d'or. Okay. Je joue pas au même jeu. Moi, j'ai ma petite épée en pierre, je me balade là dans le c'est monde. C'est quoi un stack ennemi? Bah, attends, c'est 75 d'or quoi. 64. Pardon? Mais gros, j'ai 4 de fer. Gros, avec ma pioche en pierre. Gros, j'ai un 4 pareil, de fer, hein. Je viens de faire mes premiers morceaux de fer. Ouais, mais vu que t'as un objectif à faire aussi dans la jungle, autant tout faire d'un coup quoi. Au pire, bah moi les gars, je vais juste en mon rond. Le portail est fait, les amis. Et voilà. Bah, tu nous appelles pour le dragon, hein. Écoute. Non, y'a trop de maps, frère. C'est pas une version de Minecraft. Y'a un Under. Bah, t'as du bois sur toi ou pas? Fais un bateau. Tu mets le. Ouais, et si tu poses le bateau devant, l'Underman il va rentrer dedans. Tranquille, il pourra le taper sans qu'il t'attaque. J'ai pris des blocs. Je suis mort. Ta mission elle a un rapport avec les mobs ou c'est? Je suis mort, gros, je suis mort, je suis vraiment mort, gros. Non! Non! Mais gros, c'est injouable, y'a trop de mobs! Y'a trop de mobs! Prochainement, ce sera 5 subs. Donc attends, mais à cause de toi, genre. Ouais, c'est cumulé. C'est tous les subs en plus, mec. Ah ouais, là, on a 0 sub! Là, on a 0 sub! Ouais. En plus, Nether, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette version, dans la version dans laquelle on est, c'est le nouveau Nether. Y'a eu un changement, ils ont ajouté des biomes et tout dans le Nether. Et il est beaucoup plus compliqué maintenant. Y'a beaucoup plus de trucs qui peuvent te faire mourir à n'importe quel moment, quoi. Donc. Ah, mec, j'ai tellement envie de te pousser là. Matou, là. Oh, Matou! Bonne chance, mec. Ah, mais ok, ton défi, c'est de me faire mourir. Non, je te jure, c'est bon, ça. C'est bon, tu l'as fermé. Attends, c'est lui qui t'a demandé de venir avec toi ou pas? Il m'a bloqué, mec. En fait, il y avait un gars qui me shootait et il c'était m'a dit. C'était un concours de circonstances. Il m'a bougé non. Il m'a dit bonne chance, mec. Mec, pour toi, ça va être compliqué là. Bah, après, tu sais, Guil, tu peux claquer. Hein. En vrai, je pense que je vais faire ça. Ah, déblocage. Que... Bon, c'est quoi du coup? C'est deuxième onglet, t'as dit les structures? Ouais, Nether Fortress, 5 subs. Et c'est 5 subs perso, on est d'accord? Ah non, c'est commun les structures. Si on trouve une forteresse, on débloque minimum, je pense, 10 autres défis. Surtout quoi? Moi, je pense que c'est plus rentable direct de le faire en vrai. C'est un bon investissement. Si vous voulez, j'ai une bonne nouvelle. Ça fait 30 minutes, on est toujours à 300 subs. Non. 295. Moi j'ai une larme de ghast. Ah non, il y a 295 maintenant. Bon bah voilà, je vais faire quelques blaze là et puis après go. Hein. Toi, tu nous fais quoi là? T'as fait quoi toi depuis le début pour l'instant? Rien, vraiment, j'ai rien fait. Putain, c'est insultant gros, ils vivent une expérience. Je suis même pas stupide. Ils vivent vraiment une aventure quoi. Nous on est là, on joue avec notre caca, c'est terrible. Mais il y a de la volonté hein. Et du coup, t'as fait les Pikmin là du coup? Ah, tu tues les 5 là, c'est ça? Bah, je les ai déjà fait, mais du coup, il y a tous leurs potes qui viennent. Oui, là c'est. Du coup, là, ils vont en tuer 50 en fait. Hein. Ouais, oh mais c'est un massacre. Oh, regardez, je vais vous montrer la technique, le chat. Regardez ce que j'ai appris. En jouant au jeu. Allez, dépêche-toi, frère. Dépêche-toi, moi, je y a des POV où il y a des trucs sympas dessus. C'est un U. Regardez, petit U, tac, tac, tac. Et là, vous venez ici. Elles ont envie de rentrer dedans. Donc c'est un peu à côté. Hop. Voilà, let's go. T'as trouvé ça tout seul? Oh ah, il veut monter. Fais attention de pas taper le bateau. Mais là, je le fume. Let's go. À une main, à une main. Oh, il a dropé une underpearl. Parfait, c'est parfait. Nickel ça. Oh, ouais, putain, on va dropper des trucs là, du coup, non? À début de l'événement, dans 2 minutes, donc on va être coupé. Oh, mais oui, il y a le. Sachant que c'est le chat qui a choisi quel premier happening. Oh, les bâtards. Ah, c'est le chat qui a choisi. Ok, bon, on découvrira. Comment on fait un bouclier? Alors, c'est bois, faire bois, rien. Voilà. Allez. Allez. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Bois, faire bois, ouais. bois, rien, bois, rien. Voilà. Hey. T'as vu? Hey.
si jamais. Oh shit. Vous connaissez les événements déjà? Plus ou moins. Oh, pourquoi j'ai... Ah oui, c'est vrai que j'ai speed ici. C'est le labyrinthe. Oh putain de labyrinthe. On est même pas ensemble. On écoute la. Vous avez 10 minutes pour trouver l'endroit à la fin. Il y a des coffres disséminés dans toute la map et ça veut pas dire que c'est forcément la fin. Dans chaque coffre, il y a quelque chose pour vous aider sur des défis plus tard. D'accord. Donc autant chercher les coffres. Là en fait, notre temps s'écoule quand même. Hein. Donc plus vite on reprend nos activités, plus vite on reprend les défis. Ah ouais, j'avoue pas con. Donc restons focus les gars, on est tous dans la labyrinthe. On voit nos pseudos. Je sais pas si vous remarquez. Ouais. Donc ah, essayons d'aller dans des distances différentes chacun. J'ai une Nézérite Scrapa de rien poser. Oh, c'est bien ça. C'est pour faire un lago Nézérite. En gros, la Nézérite, c'est le nouveau minerai. Sauf que pour faire un lago Nézérite, j'ai pas joué depuis. Ouais, bah c'est assez compliqué parce qu'il faut 4 Nézérites scrap. Ah, y'a pas grand chose, hein, je vais pas vous mentir là. Non, moi je vais repasser ou. Oh putain, encore un cul de ça. J'ai un coffre avec une tête de wizard. Est-ce qu'on devrait pas être Et je crois que j'ai la fin, mais je suis pas sûr. Ah ouais, bravo Maddox, vous avez la fin. Vous allez être TP et vous avez 5 secondes, 5 frames d'invisibilité pour pas que vous fassiez gangbang par des. Ok. Bien joué Maddox. Bravo Matou. Attends, du coup, Doc, t'as une perle? Ouais. Ok, j'en ai 5. Faudrait que j'en farme encore 6 ou 7 et on serait bien. Elle est importante ma perle? Ouais. J'aime bien t'entendre dire qu'elle est importante ma perle. Oh, y'a une manshaft, tu l'as déjà vu? Comment t'as dit? Manshaft. J'étais pas prêt. Parce que manshaft, c'est pas ça, hein. C'est pas ça, mec. Hein. Les Vandoski. C'est la manshaft. Oh putain, les gars, y'a les Allemands là. Il y a Thomas Müller au loin. Bien sûr. Ah oui, mais du coup, tu dois être à côté de Doig au moment. Ouais. Non, mais attends, on va se téléporter pour un événement. User Scott qui vont spawn dessus. Il y a une manchave de fou, Elle est grande, c'est grand ici, gros, t'as vu? La pièce d'à côté? Viens, on prend le contrôle. Hein. Ah, en plus, c'est des araignées empoisonnées, c'est terrible. Non, mais surtout qu'on manque de bouffe. Ouais, on a bon. Culo, le spawner. Il est derrière le mur que je casse. Vas-y, on est des bonhommes. Sur les fais pas ça, vas-y, à côté, la vie, ma mère! Gota, t'es un chien! T'es mort, tu m'enfermais! Non, mais gros, t'es sérieux, tu m'enfermes avec 10 000 mobs! Mais Gota, j'ai vu ce que t'as essayé de faire. Hein. Mais j'ai rien fait, je me suis enfermé pour pas que les mobs me rushent. Et moi alors? Et toi, après, t'es parti de l'autre côté, tu fais ta vie? Non, j'étais déjà de l'autre côté quand t'as fermé. Oh non, me dis pas que t'as mon secret, putain, c'est terrible. Là, il essaie de faire genre, tu vois, alors que c'est ça, il est cramé, c'est bon. C'est cramé, c'est bon. L'œuf aussi, l'œuf. Ok. Les gars, je chauffe pour le Stronghold. Ah, vous voulez qu'on aille le faire? On se retrouve et on va le faire là sinon? Bah non, on va être prêt là avec Gotajo, j'ai plus rien à foutre dans cette barre. Bah en vrai, on se retrouve tous là-bas et on fait comme ça nos petits achievements ensemble, hein, comme ça. Pourquoi le défi c'est pas fait? Je suis full enchanté. Parce qu'il faut qu'il le valide à la main, c'est pour ça. Arbitre, on est en train de l'update, quoi. Matou, t'avais validé aussi un truc, t'avais dit Matou, toi, je crois, non? Voler un bloc d'or dans un bastion et le ramener dans le monde sans mourir aussi, vous pouvez valider. Ouais. En vrai, dans l'end, on peut faire plein de trucs là en vrai. Tu voulais, on se retrouve directement là-bas et c'est bon. Chacun un bloc. Quand vous allez être TP au lobby à la fin du compteur, il faudra poser tous les blocs de minerai. D'accord. Je fais bloc de fer et j'ai bloc de diams moi. J'ai le stronghold. Vas-y, coordonnées, on arrive. Là, c'est quoi le plan? C'est un dragon là? Ouais. Oh, je trouve. C'est le dragon, c'est obtenir les niveaux. Avec le niveau, je fais une épée looting. Et l'épée looting me permettra d'obtenir les têtes des wizards. Et vos objectifs perso, vous en êtes où vous? Moi, je l'ai raté moi, donc j'ai été honnête avec vous. Ouais, c'est compliqué. On est les seuls avec Gotha à avoir réussi à déjà le faire. Mais moi, en fait, ce qui est obligé, c'est que si vous l'avez déjà réussi, ça va être trop dur à trouver. Ouais. What the fuck? C'est quoi ça? C'est moi qui allumais le portail. Ok, ouais. Là tu sors et après tu creuses au pif, tu vas voir une entrée et ça sera bon. Et après tout le monde est là et c'est bon. Oh attends, j'ai crevé de... Et puis là tu passes ce portail. Incroyable. Oh no, oh no. Voilà, et Gotaga est mort. Voilà, deux destins. Mais on était au même endroit, il y a un lit pour m'accueillir. Je savais pas que ça marchait pas la torche dans ce. Ah, j'avais la Nézérite. Ah oui, aussi. Bah vas-y, bah je prends mon stuff alors. Pay. Ouais, on va en avoir besoin. Ouais. J'étais en train de venir te chercher pay, là. Pay. Bah attends, mais c'est comment me venir me chercher? Parce que le chemin en bateau et après en 5 minutes on y est parce qu'on passe par le Nether. Mais pourquoi je vais pas juste en bateau là? Parce que tu connaîtras pas le chemin. Et par le Nether, ça sera beaucoup plus rapide. T'as un problème avec le Nether, Gotaga? J'ai l'impression que. Est-ce qu'il y a mis les pieds quoi? Je veux pas y juste rentrer voir. Non, j'ai pas envie d'aller dans le Nether. Sympa ton défi de pas venir dans le Nether là, non? Ouais, c'est Gotha là, qu'est-ce qu'il nous cache mon frérot? Sympa ton petit défi là. En fait, il fait peut-être exprès pour justement nous induire en erreur sur le défi. Hein. Ah, je te vois, mec. T'es en train de ralentir l'équipe, mec. Il y a un événement qui va arriver. Téléportation d'un événement dans 20 secondes. Gotha, t'aurais pu au moins venir sur la position. On aurait été tous au dragon. Préparez-vous au combat, messieurs. Enfin, je sais pas ce qui va nous arriver. C'est le chat peut-être qui a encore voté. Ah, c'est le parcours. Du coup, en gros, c'est un jump. C'est facile ça. Il y a un premier checkpoint où vous aurez un cadeau. Il a loupé le premier jump. On m'a gêné. Je suis mort. C'est ça le checkpoint? Non, c'est beaucoup plus loin. Ok. Comment on fait? Faut pas que tout le monde le fasse. C'est juste un qui réussit. Ouais, bon, vas-y, Matou. Ouais, je sais. C'est toi plaisir, allez. Les gars, si on le réussit pas, on a pas le bonus. Hein. Ah, c'est pour ça là. T'as regardé comme il nous met la pression là. On donne tout. Bah non, mais c'est. Et toi, MLG, c'en est où toi? T'inquiète. Dès qu'on revient, je le valide. Après le dragon, je le valide. Ah, tu peux faire comme ça? Si tu te mets au bord, ouais. On te suit avec Dog là, on est juste derrière. Ouais. Mais je viens de faire derrière. Oh putain, attends. Il nous reste combien de temps pour le faire là? Okay. Non, mais surtout que là, on perd du temps dans notre chrono. 7 minutes. Oh non, j'avais full speed avec mes bots, j'avais oublié. Oh non. Les gars, si vous le sentez pas, on peut abandonner. Hein. Non, y'a jamais d'abandon ici. Okay. Pas d'abandon. Allez, Matou, je suis derrière toi.
J'ai enlevé mes bottes pour éviter d'avoir le même. Ouais, je ferme. Ah, on a fait la même connerie. Non, tout à l'heure j'ai raté lamentablement. Non, je suis tout insupportable dans Minecraft. Faut qu'on joue à ça en fait. Je sais pas. T'imagines, tu mets une Minecraft là. Non. T'imagines, tu fais que ça, tu m'entends ensemble. Au dernier. Attends, je vais peut-être y arriver là. Attends. Vas-y, donne tout, mec. En tout cas, j'en profite, là, vu que c'est un petit moment calme, pour dire que c'est bien complet cette soirée là, avec toutes les nouvelles règles. T'as bon. Le boss. Wizard, c'est bon, vous avez crotté ton jeu. Putain, encore une fois, la main dans la main jusqu'au bout, les gars, c'est dingue. Je pense qu'on dévie, c'est peut-être ne pas mourir dans le Nether. Là, tu fais attention, il y a un petit peu de lave. Du coup, là, il est vraiment en panique. Ok, c'est bon, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Bah, y a pas de panique, hein. C'est que le Nether, de toute façon. C'est pas comme si mon défi c'était de pas mourir dedans. Hein. Ah ouais, on s'en va alors. T'as combien de sub-perso? 5 sub-perso du côté de Gotha. Ouais, 5 aussi ici. 5 du côté de Guild, 0 de mon côté, 0 pour Matox. Non, mec, faut qu'on se débrouille là. Faut qu'il crève, hein, c'est pas possible. Et sinon, il reste 250 subs dans la cagnotte globale. On en avait 300 au départ. On avance bien. Il reste 1 heure à partir de maintenant, messieurs. Bah voilà. On est bien là. Je vais paniquer. Mais non. On y va? Bon, allez, moi j'ai sauté. J'ai sauté. Vite. C'est le moment. Vite, allez, à bientôt, vite, les potes. Vite. Mais allez, ah, allez les gars, faut avancer. Oh, là, mais allez. Oui, j'ai une underpearl. Ah, arrêtez. Il faut pas faire peur comme ça, par contre. Ne les regardez pas dans les yeux, je vous en supplie. Bon, comment on va casser les under eyes là? Hop, c'est bon, pardon, j'ai récupéré le son. Ok, donc okay. C'est bon, on peut valider. Oh, s'il vous plaît, laissez-moi tuer le dragon. Avec un lit. Oh, hein. Ce serait mon rêve, vraiment, je vais chercher un truc. Tu veux le faire avec un lit ou pas? Oh, s'il vous plaît. On peut, hein. Ok, alors en gros, on va lui enlever de la vie. Ouais. On va le laisser un quart de sa vie. À la toute fin, tu le finiras avec un lit. Sauf qu'il y a des chances qu'il t'expulse en l'air. Et à ce moment-là, tu pourras faire la MLG et faire deux défis en un. Waouh, ok. Donc j'ai le lit, j'ai le pseudo, hein. J'attends que ton go. Ok, je te dirai. Ne tuez pas le dragon, hein, surtout. Faudra que tu prennes des blocs sur toi. Bah, non, ok. Hein, donc, ouais, lit, bloc et pseudo. Les roches noires, c'est bon? Oui. Ok, là, on peut aller le taper, mais faites attention, ne vous le mettez pas au niveau de sa tête. Genre, passez par en dessous, comme ça. Okay. Et fais gaffe à pas le tuer, hein, faut que je fasse le truc. T'inquiète, hein. Parce que j'ai ma sharpness. Ok, attention. Oh, il m'a éjecté! Et le lit, ça tue le dragon. Ouais. Oh, putain, c'est incroyable ça. Tu le mettras à la fin sur le bloc là qui reste. Après, c'est pas dit qu'il t'éjecte, hein, c'est une chose sur deux. Ok, dès que j'ai fait le lit, je sors le pseudo et je spam clic vers le bas. Ouais. Ne tuez pas, t'inquiète. Parce que je vois Gotha mettre des flèches, fais pas gaffe. On va lui remettre quelques flèches. C'est mon moment, my moment. Ok les gars, je le tue. Lit en main. Dès qu'il vient au centre. Quand il va venir au centre, je vais niquer tes rêves, je lui mets toutes tes flèches. Que tu mettes le lit comme ça, que tu mettes un bloc contre en sneak pour éviter que tu meures de l'explosion. Il faudrait que tu le mettes entre toi et le lit. Ok, attention, il arrive. Je suis en train de le tuer, dépêche-toi. Vas-y, pose le lit. Je suis en train de le tuer. Non, MLG. Où? MLG! J'ai MLG! Le tue pas, j'ai MLG! Le tue pas la lumière, j'ai MLG! Mets le lit, vas-y. Mets le lit. Je me lis. Vas-y, là. Non, vas-y, au-dessus. Ici, vas-y. Il est posé. Non, clique pas. Ok, t'avais vu. Bon, bah, on a pas tué avec le lit. Ah, on a pas tué avec le lit. Je suis mort, par contre. What the fuck, par contre, pourquoi je suis mort là? Ok, c'est bon, je l'ai tué. Un endoman. Doit bien réaliser le progrès, libérer l'aide. J'ai tué le dragon! Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai MLG, hein! Oui, t'as MLG. Mais il est validé ou pas? Est-ce qu'il est 50 blocs? Non, il était pas 50 blocs. Il était pas 50 blocs, mais du coup, je sais que je peux le faire. Ok, bah, viens. Bon, on rentre dans le monde et. Quand on retire le dragon, on le fera avec le lit, ok? Il est con ou quoi? Pourquoi je suis con? Tu dis qu'à en fait, le lit, tu le posais juste. Et en plus, je l'ai posé, le lit. En vrai, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Surtout après, en gros, fallait faire clic droit sur le lit. Mais les gars, il l'a mis là, le lit. C'est pas une histoire de lit. Je l'ai posé là. Il était là. Fallait faire le lit. Derrière, trop bête, c'est un défi. Comment ça, c'est un défi, le lit? Ouais, tuer le dragon au lit, ouais, c'est un défi. Dans nos trucs? Oui. Mais non, vous êtes des menteurs. C'est parce que le lit provoquait la propulsion pour la MLG. Non, c'est le lit en gros il tourne. Oh, mais ça fallait le dire depuis le début. C'était pas très clair, désolé. Mais les gars, par contre, on a plein de défis à réaliser. Je sais pas si vous avez vu, il nous reste 235 sévages. Il faut qu'en une heure là on arrive à perdre les 235 sévages. Vas-y, focus, je te pardonne. En vrai, venez, on paye 235 subs et on se tue jusqu'à la fin, en vrai. Ils ont full PV. Franchement, ouais. Putain, Matou, il a... Oh, vous vous rendez compte qu'on a plus de subs à payer bientôt que start. Hein. Il reste 45 minutes et il reste encore un happening. Moi, je vais défier en cours la jungle, là, j'y vais, hein, parce qu'on a trop de retard, alors je vais aller faire la cabane et tout, là. Les gars, c'est bon, regardez ma POV. Regardez, les gars. C'est bon, défier encore Koshonuke est validé de mon côté. Bravo. Oh, j'ai fait une MLG. Mais attends, mais ça marchait ta MLG? En vrai, ça va. Je crois pas qu'elle est valide. Non, elle était pas de 50 blocs. Elle était 30 blocs. Tu veux pas la refaire, là, vas-y. Genre, tu montes à 50 blocs d'auteur et tu testes en direct là. Donc en vrai c'est... t'as pas encore payé. Ah, je le fais les gars, regardez, je le fais. Vas-y, moi j'étais chaud de le faire, tu vois, j'ai 64 blocs, du coup je monte jusqu'à 14. Regarde, hop. Oh par contre attends, Gotha, si tu meurs tu perds tes levels, hein. Donc il faut que ce soit Dogby qui le fasse. 68 niveaux. Au pire casse ton poignet. Attends, mais il a déjà l'élytre là. Mais gros, t'es parti prendre l'élytre là depuis tout à l'heure. J'ai un peu de stuff aussi accessoirement. Ah, tu peux faire le 360 d'ailleurs. Ouais, mais j'ai pas de feu d'artifice donc Attends, mais tu l'as déjà le truc? Ouais. On l'a TP un peu pour. J'avais fait un live 24h, j'ai mis 8h. Non mais en gros il a payé un GPS, c'était 700 blocs, en fait c'était trop compliqué et ça allait perdre trop de temps, du coup on l'a TP à 200 blocs de... Pour monter tout en haut il est quand même allé vite. Coco, tu peux y aller, je suis sur ta Mais je pense pas y aller Polo, il vient de me... Parce qu'en fait j'ai les levels pour... Gotha, tu regardes
regardes pile poil en bas et tu spam clic et ça va passer tout seul. Pile poil en bas, genre là là. Ouais, 90 degrés vers le bas et tu spam clic. Genre là, j'avance juste et je spam clic. Non, tu te colles au bloc. Colle-toi au bloc, genre t'avances et tu te colles au bloc, genre en mode tu sais sur le pilier. Attends, mais oui, mais il me dit si je spam clic en fait, ça va mettre l'eau mais ça va la retirer instant, non? C'est moi, c'est ce que j'ai peur. Moi à mon avis, il vaut mieux que tu cliques au dernier moment, mais après non, t'as pas le choix de réussir, mec. Ouais, l'avantage de te dire c'est que si jamais tu rates et que du coup on peut pas faire tous les objectifs, on payera à cause de toi. Tu peux te dire ça. Il y avait un cochon avec une OK. C'est parti. Oh oui voilà. OK. Oui. Ah toi, tu montes tout en haut, donc j'ai pas 50 blocs, Tiens, tiens, bah tu veux 50 blocs, tiens, regarde, hop, 55. Non, vraiment, je dois le faire. Oui, tu dois le faire. Faut qu'on puisse dire qu'on l'a fait tous les deux, mec. Non mais obligé, je réussis ça. C'est mec, c'est un enfant de 4 ans. C'est facile, c'est facile. Monsieur, je l'ai même enlevé. J'ai enlevé l'eau, il s'est passé ça, exactement ce que t'as dit. En fait, c'est facile un peu. C'est facile vois, de la communauté Minecraft en fait. Franchement, ils sont là à se hype pour des trucs. Dans notre époque, des MLG, on en faisait. Nous, on faisait des vrais. Ouais, voilà, c'est ça, c'était pas le MLG. Nous, on faisait vraiment la MLG. La MLG. Ouais. Ça se part comme ça. Mais faut qu'on se pas. Le problème, c'est que. On... Défi. Alors, les MLG, ça a été fait. Validé par Gotaga. Ouais, bof. Hein. Je l'ai fait aussi. En vrai, j'ai l'impression que tout le reste, c'est super facile à faire. Hein. Là, j'avoue non, que. En vrai, c'est un peu. Il y a des trucs qui sont un peu relous, mais je vais essayer d'avancer un peu pour là pour pas qu'on. Il reste pas grand chose. Attendez, je suis en train de faire la petite cabane. Je sais pas, vous voulez une cabane comment, la régie? Non, tu fais juste un 4x4. Regarde, moi j'ai fait un truc là, j'ai fait un truc de utilisé quand même. Ça, c'est une tour de guet, c'est pas une cabane ça. Ah, attends, comment tu veux? Tu fais un toit, allez, on va faire un toit, allez, c'est parti. Genre, en mode, il faut que tu puisses vivre dedans, tu vois. Ok, ouais, avec un lit quoi, en gros. Non, pas obligé. Les meubles, c'est genre un nom meublé, tu vois. Ok. Et par contre, il faut quand même que tu touches 5 fois le loyer. Faut les tuer pour avoir un œuf ou faut attendre qu'à pondre? Donc, vous pouvez faire ça aussi. Mais non, mais il nous manque. Mais tu l'es pas, mais t'es con quoi? Ah merde. On va lancer un chat, un vote dans le chat. Ils vont juger si c'est une vraie cabane ou pas quoi. Ah mais ils vont dire non. Mais c'est une vraie cabane ça. Non, c'est une vraie cabane ça. Il y a un toit mon gars. C'est vraiment une vraie cabane là. Il y a un toit. Ouais, pisez pas, franchement il a fait ça. Ouais, là, mais les gars, c'est une vraie bon, cabane. Je me suis donné, j'ai mis toute mon âme dedans. Ouais, tout le monde dit oui dans le chat hein, que c'est une cabane. Ah ouais, tout le monde dit oui. Tous, ouais, c'est des vrais frères. Ah merci les frères, merci beaucoup. OK, et du coup là ça va être les vagues de mobs je pense. Là ça va être la guerre, ouais. C'est parti. OK. Ouais, c'est ça. Allez les gars, c'est la bataille, on est ensemble. Oh putain. Du coup, bienvenue dans l'arène. Il va y avoir des vagues de mobs. Si vous tuez toutes les vagues de mobs, vous avez un cadeau à la fin. Du coup, il y a respawn infini. Possible, par ouais. contre, toutes les morts comptent dans le compteur. Attends, on peut taper à la pioche? Ouais. Guil, vas-y, tape-le, il a l'aggro sur moi. Ouais. Ok, nice. Bon, j'en ai tué un. J'ai tué un ravageur. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on doit récupérer par les têtes de Wither? Qu'est-ce qui peut t'intéresser, genre par rapport au gaz, Surtout les têtes de Wither. Il y a une épée là, Regarde, toi, Guil, il se fait. Donc, ça va, mec? Ouais, je le gère. Vas-y, tape-le tant qu'il a l'aggro sur moi. Okay, nice. Hey, y'a 4 squelettes là pour les têtes de Wither là, venez on tue en prio. Ouais, vas-y, j'arrive sur toi. Ouais, ça change rien, hein. C'est pas. Mais si, 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 drop. Fais gaffe derrière toi, toi. Oh putain. Vas-y, je le tape pour sauver. C'est bon, il est mort, je l'ai tué. Ça me fait penser à une scène dans Star Wars ça. C'est que moi qui la rêve. Qui c'est qui m'a mis du feu là? C'est les Blaze derrière. J'ai l'impression d'être un Jedi là avec tous les sabres laser de toutes les couleurs là. La grosse bataille là. C'est dans Star Wars le 2, je crois. Ouais, c'est dans le. Fais gaffe, gros. Je suis mort, je crois. La planète des clones. L'attaque des clones, ouais. Attends, mais là ils sont Non, mais les gars, je suis mort, vraiment, je suis mort là. T'es mort? Instance. Mais moi aussi, je vais crever, les gars. Moi, oh, j'ai une tête de Wither, je suis mort. Bah, j'ai 3 têtes du coup. Nice. Moi, je suis encore mort. Je suis mort aussi, hein. C'est bientôt fini, les gars, il reste plus grand chose là, ça va plus être spot. Et à la fin, et en fait, on va nous dire à la fin, vous êtes mort 7 fois. Du coup, vous devez tous. Voilà, total mort 4, hein, je vois. Ouais, y'a un corps. Avec des fragments de Nézérite, vous voulez pas? Ah, c'est facile. Ouais. Y'en a combien? 2. Il en manque plus qu'un. Y'a plus rien. Y'a des petits trucs là, regarde. Hop. Tous les mobs sont morts. C'est toi qui m'as tué, t'as allumé Dogby, il y a marqué. Ok, bah dans 30 secondes, vous avez encore 30 secondes pour faire vos derniers échanges et puis après vous serez re-TP. Bah du coup je vais faire le lingot Netherite si vous voulez, la régie. Donc on est toujours sur le lingot. Potion de heal, c'est bon. J'ai les potions de soin. Nice. Ok, nice. Donc c'est validé. Du coup la régie, vous pouvez valider l'échange avec un villageois et le potion de soin. Et sinon bah là on a 177 subs. On peut bien faire réduire si on fait des défis tier 3 comme on peut descendre. On peut descendre à 70 là, je pense. On va faire moins 100. Je vais faire le poulet, mec. Vas-y, je. En vrai, on va faire moins ça. Ouais. Fonds-moi cet œuf. Allez, les petits gars. Coco, c'est du persécutage là, fais gaffe. Harcèlement, tout ça. Hein. Trois poulots. Attends, mais attends, pourquoi je les enferme pas? Bah, si tu peux les attirer. Plutôt que de leur courir après là depuis tout à l'heure. Là. Et toi là?
T'as un œuf. J'ai un œuf. Jure. Alors comment on fait le gâteau maintenant? Devant mes yeux. Passe à une autre mission, Doug. J'ai le reste pour faire le gâteau. Fais-nous un bilan. Là, le gâteau, on peut le faire quand on se retrouve. Donc quand on va refaire le dragon. Donc tous les tiers, c'est bon. Portail Unesor qui est un tiers 2, il est dessus Matox. Ensuite, avoir un bloc de chaque minerai de l'Overworld, il nous manque les émeraudes. Ensuite, il nous manque le Wither, on va le faire en même temps que le dragon, je pense. Créer un beacon qui fonctionne, on peut le faire aussi. Le dragon, on peut le refaire spawn. Le 360, il peut le faire. En fait, on peut tout faire si on a du temps. En vrai, si le chat est gentil, on a 15 minutes en plus, les gars. Oui, mais le chat, c'est quoi le défi que t'as à votre avis? 100, 100. On est ensemble. Du coup, le chat a bien voulu vous accorder 15 minutes, donc vous avez 15 minutes de plus. Merci le chat. Merci. Et voilà. Ok les gars, je fais le... Le creeper ? Ouais. Vas-y, on te regarde. Attends, je te regarde aussi là, j'ai envie de voir. Attends, une galerie sur la gauche, tu m'as dit ? Bizarre. Ok. Je crois que t'as réussi, non ? Y'a plus creeper les gars. Ouais, c'est bon, j'ai du coup, moi je vais m'apprêter à passer sur le toit du Nether si vous voulez. Normalement, on lance une pierre contre l'échelle, puis après c'est juste tout droit. Ok, et c'est bon. Et voilà, bravo. Parfait. Et là, t'as juste à faire le portail et c'est validé. Et là, je vais aller faire le portail aux coordonnées que tu m'as donné. Je suis pas loin, ouais, moi, hein, les gars. Ah non, moins 1100. Ah oui, putain. C'est bon, portail au dessus du Nether, les amis. Là, faut que t'ailles sur la partie arrière, vas-y, là, sur ta gauche. Ok, en gros, là, t'as deux planches de bois, c'est l'entrée de la porte. Voilà, ici, là. Et il y aura peut-être des émeraudes. Oh, il y en a plein. Nice. Il y en a combien? 9, c'est bon, il y en a assez. Allez, on sort vite. Non, pas comme ça. Sneak. Voilà. Ah putain, je savais pas. Mais il y a trop de nouveautés. T'as vu, c'est chaud hein. On va refaire spawn le dragon et on va faire le wizard en même temps. Ok, je fonce. Doig, le portail il est en moins 410-62. Ah bah ouais, c'est pas mal là. Là il y a ton Z qui augmente, attention. Hein? Ton Z là il augmente. Ok. Z? Ouais, là tu passes en 818-819 etc. Ah pardon, mon Z, ok, ouais. Tu parles des... Du coup faut que t'ailles dans l'autre sens, je pense. Pourquoi tu croyais qu'il parlait de quoi? Ouais, je croyais qu'il parlait d'un autre truc. Attendez, faut que je fasse le looping. Vas-y, fais-le tout de suite hein. Vas-y, on te regarde. Pioche en fer. Tiens. Tu peux pas faire un relooping en fait. Genre tu vois, je suis full vertical et je peux pas aller plus loin. Ouais, mais fais-nous un truc qui ressemble. Par contre, toi, ouais. Faut que tu perdes parce que j'ai besoin de ton émeraude pour faire le bloc d'émeraude. Mais je trace. Ah non, mais je suis un connard, c'est 9 et moins, c'est pas dit. Mais ton 60, c'est pas de gauche droite, c'est bon pour nous. Ok, parfait. C'est validé. Du coup, t'as tout là. Régis, on me confirme là, c'est tous les blocs qu'on a besoin, non? Ouais, c'est bon, propre là, mec, t'as tout hein. Bon, ça a l'air bon. Ok, c'est bon. Arbalète gâteau. Besoin d'une pomme. Moi j'en ai une. Vas-y, je veux bien. Passe la pomme. Passe oh là là, mais je carrie vraiment cette équipe. Je vous ai carré quelqu'un, tu vois. T'es là, mec. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Et après, qu'est-ce que j'ai besoin d'autre en or là? Le melon. Le melon. C'est fait. Bah, c'est bon. Bah, écoutez. Ah, épée peut-être, ouais. Pioche et hache, ouais. Pioche et hache. C'est fait, mon gars, t'inquiète. Ok, bah, GG. On s'entend, c'est finir la game avec ce stuff. Hein. Ouais, j'ai comme ça, regarde, c'est bon. Hein. Passe comme ça. Carotte dorée, là. Mais en vrai, go rentrer maintenant, en vrai, dans le. Attends, faut que je prenne les lits. Vous avez tous les blocs, c'est validé. On a les arcs, on a la TNT, on ouais, moi j'ai le stuff aussi. Bah, go, on va y va. Allez. J'ai pas de lit. Tranquille, GG. Allez, c'est parti. Faut refaire pop le dragon et on fait le wither. Et le beacon. Pour le cochon, là. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Là, pourquoi ça me tape là déjà? Ok, le dragon il respawn. Il a l'obsi à ce qui paraît, ouais. Ah, parfait. Là c'est bon. Ouais, moi j'ai l'obsi, c'est bon. Bon bah c'est parti pour les tours. Une tour. Ok, nice. Je vais faire les petites avec les cages. Ok, nice. Et puis après, bah je vais essayer de le tuer avec des lits, les gars. Après, on peut le mettre low et tu peux le tuer qu'avec un lit, pas ouais, mais je pense que c'est plus beau avec un monocycle. Après, t'as pas besoin d'être beau. En fait, le problème c'est que si tu mets low avec tous tes lits qui t'en manque un. Le beau jeu. J'ai 5 lits, j'avoue que. On va lui enlever un peu de vie. Ouais, on va lui enlever un peu de vie. Et après, je vais finir avec les lits. Bon, vas-y, je tape et tu dis quand on arrête. Hein. Tranquille. Moi, j'ai une épée en diamant, elle fait trop mal. Bah, attention, il va vous éjecter. Oh. Ok, midlife. Si prochaine attaque, c'est bon. C'est bon là, non? Ouais, 2 secondes. Attendez qu'il revienne et puis on dégoûte. Allez, Matou! C'est ton moment, Matou. Oh non, what the fuck, pourquoi ça a pas cliqué? C'est. Ah, il s'est cassé, ouais. Oh, t'en as plus? Ah, c'est bon, GG. Ouais, GG. Double achievement d'un coup là, mon gars. C'est bon. Ok, nice. Du coup, il nous reste le Wither. Ok, vous êtes prêts? Vas-y. On réfléchit pas. Oh putain. Ah, tu. Oh, ici direct. Ah, direct, mon gars. Oh putain de merde. Oh, tu me saoules, toi. Alors, lui... Donc là, faut lui tirer des flèches et ensuite, quand il sera midlife, on pourra le taper. Ah, j'espère juste que j'ai pas la grosse, s'il vous plaît. Ok, il focus les Enderman. Parfait. C'est vraiment un débile. Ah, là, je l'ai shoot, du coup, il est énervé contre moi. C'est la sauce. Touché. Tu vois que ça te fait quoi de le revoir ce gars là aussitôt? Ah mec, il m'a vraiment torturé. J'ai plus de flash, hein, donc c'est à vous. Je mets aussi à côté. Ok, c'est bon, encore. Ah! Il fait mal le con! Bon, ouais, ça va, il met pas l'effet Wither parce que le serveur est en easy. Ah oui, le poison. C'est bon, GG! On fait le beacon ici, comme ça on en parle plus. Ouais. Oh, on fait le beacon ici? Putain, mais. Putain, mais ils vont trop vite, frère. Allez. Ok, ça c'est fait. Bon, c'est validé, en fait, je pense. Ouais, c'est bon, validé, on est d'accord. Bah, il fonctionne celui-là, hein, donc ouais, c'est, ah ouais, c'est bon. Hein. Regarde. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Regarde, tu mets un truc dedans, c'est bon. On a Ast avec, c'est bon. On peut miner plus vite. Parfait. Okay, il reste le gâteau qu'on peut faire, du coup, on peut le faire ici. D'ailleurs. Gâteau, ouais. Ah, non, gâteau, il manque du blé. Et la carotte dorée. Et le bling bling, bah c'est bon, on a tout fini, les gars. Et le bling bling, c'est bon, moi je suis bling. C'est quoi? Repasser dans le portail, resto stronghold et je fais un aller-retour. Ah, c'est gênant. Ah, on peut plus passer. Régis. On va leur remettre le temps et on va aller vous TP. J'avoue que je vous vois plus. Une personne doit finir la soirée avec une full armure en or, pioche. Mais c'est bon, en fait, on a tout fini.
Ah mec, c'est instinctif au bout d'un moment. Mais j'ai rien fait. Je suis passé en dessous des 3 cœurs. C'est devenu instinctif. Attends, on a une mort en plus là, 5-7. Ah, c'est Bed Wars gros. Eh mon stuff là. Eh mon stuff là. Ah bah paye. Ah mais du coup, Guil, t'es où là? Bah j'ai respawn au 0-0 moi. Parce que je t'ai amené la carotte. Ah mais t'avais le stuff qu'il nous fallait pour le. Oui. Oh j'en peux plus. Oui, j'avais le stuff qu'il nous fallait, oui. Les gars, il reste 30 secondes. Il reste 30 secondes. Pourquoi tu m'as buté? Et je voulais pas te buter, j'avais te laisser. Mais juste genre qu'on stoppe comme ça quoi. Mais il me restait 3 cœurs. J'espère que t'as réussi ton défi. Guil, je te vois pas. Ton défi mystère. Je suis au 0-0. 0-0 pile. T'as réussi. Et toi, tu l'as réussi? Je vais être honnête, j'ai aucune idée de vos défis mystères. Ah ouais? Ouais, aucun. Cadeau. Impossible. Du coup, bossez tous vos blocs, faites le gâteau. Tiens, le. Enfin, peut-être. Non, vraiment. Regardez, c'est exactement ce qui s'est passé. Et à 2 cœurs, j'ai. Voilà, tu vois. Non, mais vous avez pas le droit de faire ça! Mais la vie de ma mère, que. Mais vous êtes des grands fous! Mais vous êtes juste des grands fous! Mais vous êtes des grands fous! Arrête, on t'écoute. Non, t'inquiète. Matox. Normalement, c'est comme ça et comme ça. Et voilà. Vous avez de la bouffe, s'il vous plaît? Non. Tiens, il y a de la bouffe là. T'as fait la carotte en or, toi? Arrêtez, les gars, s'il vous plaît. Je m'en fous, hein. C'est pour le total. Hein, je repaye pas mon stuff. Ah, si tu repayes ton stuff. Je ne repaye pas. Je suis désolé. Ça sera 25 subs pour tout le monde. Ah ouais, je ne repaye pas. Mais non, mais le stuff est là. J'en ai rien à foutre, mon gars. On va tous payer, mon gars. J'en ai rien à foutre. Bah, la télé, on va tous payer maintenant. On paye à tous, mon gars. J'en ai rien à foutre. T'as des vraies raisons ou pas? T'es fils unique ou t'as des vraies raisons? Ouais, je suis fils unique. Ok, j'adore cette réaction. On paye tous. Guil, ouvre ton inventaire, s'il te plaît. On va vérifier bientôt. Passez Gory là. Là, on a cassé au-dessus. Là, cassé au-dessus. Je vais avec 5 minutes d'avance. Avec 10 minutes de retard. 10 minutes de retard parce que le chat. Grâce au chat, on a pu finir la régie. Je dirai un truc après, mais en vrai, il aurait mieux fallu laisser les 5 minutes, je pense. C'est coulé ? Ouais, je pense. Pourquoi ? Parce que. Oula, il y a un défi perso chez monsieur. Du coup, bah oui, forcément, il y a des défis perso qui peuvent pas être réalisés, du coup, là. En fait, si la régie a coupé là, elle a coupé là. En fait, on a demandé est-ce que pour tout le monde c'était ok. Ah, moi j'ai dit non. Ah, il a dit non, bah écoutez, on y retourne. Mais c'est pas grave, c'est coupé, c'est pas grave. Non, on y retourne. Non, priorité. Le problème, c'est qu'en fait, là, on va tous te regarder. Ah, là, gros, tu vas être. Parce que du coup, ça m'a ruiné, mais c'est pas grave, en vrai, c'est pas grave. Ah non, mais ça, la régie, c'est vraiment la régie. Fin de la session, au niveau des défis, on a tout réussi grâce à vous le chat, grâce aux 10 minutes supplémentaires que vous nous avez accordées. Oh, le chat détendu, a une bonne idée. Peut-être pour certains. Un kill enclume. Ah. Un kill enclume ? Bonne réponse. Je pouvais pas le faire avant du coup. Et j'ai effectivement de me faire écraser par une enclume. En fait, au moment où t'as dit toi, je sais pas comment, t'as dit un kill enclume. J'ai regardé comme ça, j'ai fait un kill enclume. Et j'entends. Je fais quoi ? Et j'ai remarqué, vous avez été tué par une enclume. C'est ce que je disais au début, tu vois. De toute façon, que je le fasse ou pas, vous allez cramer que c'était le défi en fait. Parce que je tue quelqu'un à l'enclume. Ouais. Tu vois, c'est cramé à 10 km. C'est impossible. La stratégie que j'avais trouvée, c'était de mettre Doig à un micro et lui dire mec, regarde, tu veux que je te montre un truc marrant ? Et je lui mets l'enclume pour rigoler, tu vois. C'est ça qu'il a failli faire, mais je l'ai buté. Il était un mi-cœur. Il m'a buté. J'ai un mi-cœur. Mais oui, mais au final, t'as bien fait. Oui, mec. Oui, il m'a ruiné. Et le chat m'a jugé. La prod a choisi d'accepter que le défi avait été. Non, mais en vrai. Non, mais en vrai. Tu viens de le faire. Tu viens de le faire. Oui, mais je l'ai fait après que c'était fini. Donc on accepte. On accepte. On t'accepte. On l'accepte parce qu'on t'a pas laissé le temps de le setup. Non, mais en vrai, c'est ma faute. J'aurais dû le faire avant de toute façon. Donc il n'y a pas de souci. Donc on a été plutôt cool avec Guil. Mais en même temps, il y a eu un petit incident. Donc lui, son défi est considéré comme étant validé. Au moment où j'ai posé l'enclume, ils ont dit juste donc vraiment une seconde avant qu'il enclume, ils ont dit que c'était ça. Ouais. Donc on lui met une pénalité. Oui, non, mais oui, je la prends. C'est plutôt prends, réglo. Prends, en gros, tu le valides et t'as une petite pénalité. Du coup, il est quand même à 0. On peut être sur Gotha et alors, tu on a joues, quoi on a... J'ai oublié. Au pire, commencez-vous. Le chat, est-ce que vous avez une idée? Moi, je trouve que c'est peut-être lié au Nether, mais après, tu y es quand même allé. Est-ce que c'est un rapport avec la lave, oui ou non? Non. Est-ce que c'est un rapport avec le Nether hein? Non. Est-ce que c'est en rapport avec nous? Du coup, non. Vous devez faire vos propositions, les gars. Une chacun. J'ai aucune idée, mon gars. Moi, je veux dire ne pas mourir. Non, mais c'est pas ça, parce ouais, que. C'est pas ça, c'est pas ça. Je pense. C'était de la merde. Alors, c'est un tier 3. Ne doit pas avoir supérieur à une épée en fer. Impossible ça. Waouh. C'est de la merde. Je suis désolé. Je tier vous 3 le montre. Ouais, j'ai pas compris. J'ai vu le truc. Regardez, tier 3, les gars. Et du coup, t'as réussi. Bah, du coup, oui. Et à un moment, attends, un moment. Doig, il a pas cramé. Je lui ai donné tous les trucs pour faire la table d'enchante. Parce que du coup, si je faisais une pièce en diamant, j'avais lose. Mais putain, je me suis demandé pourquoi tu me donnais tes diamants. Bah ouais. Ok, bah bien joué à toi. Franchement. C'est à mon tour, messieurs. Je pense que c'est un rapport avec tuer soit Matox soit moi, je pense. Est-ce que tu l'as réussi? Oui, je l'ai réussi, messieurs. Enchanté. Tier 1, tier 2 ou tier 3? Ah, bonne question, putain. Ah, tier 3, on est joueurs ici. Okay. Ouais, on a réussi un tier 3, ouais. Ah, bien joué. Merci, mec. Après, t'as vu mon tier 3? Donc dis-toi que lui, c'est encore plus bas. Ouais, du coup, c'est poser un pseudo. Moi, je dis, c'est me tuer. Faire exprès de nous ralentir. Tuer le dragon. Mesdames et messieurs, il a été trouvé, mon défi. Et tout va s'expliquer, mesdames et messieurs. Si je l'ai pas tué avec un lit, c'est que j'avais peur que quelqu'un me le vole. Parce qu'il fait effectivement que je tue le dragon. Tout s'explique. Je m'en bats les couilles du lit, moi je vais juste mettre le dernier coup, frérot. Donc les deux fois où je me suis fait embrouiller sur le chat, c'était ma mission et quand lui il essayait de faire la sienne. Je veux des excuses maintenant. C'est vrai. Par contre, j'ai ralenti la game, je le prends mal. Hein. C'était une théorie. En vrai, moi j'ai bien aimé. Hein. Donc bravo le chat, vous êtes très nombreux à l'avoir trouvé. Par contre, là, Matox, le chat, on a besoin de là, vous. Là, il reste le patron, monsieur. Alors, vous dire, moi je dirais, j'ai réussi un pourcentage des quêtes. Non, moi je pense pas que c'est ça. Je lis le chat depuis tout à l'heure, personne n'a trouvé. Réussi, oui ou non? Réussi. Et tier 3.
fallait comme ça. Attendez, c'est un tier 3 extrêmement facile. Est-ce que t'as déjà eu une épée dans la game? Ouais, franchement, il est très compliqué à trouver. Mais très facile à réaliser. Ouais. Moi, je propose le fait que tu dois tous nous faire passer dans le Nether à un moment dans la game. Ok. Je veux dire un truc genre nous escorter jusqu'au portail ou escorter l'un d'entre nous jusqu'au portail, genre escorter Gotha ou quoi. Est-ce qu'on l'a trouvé ou pas? Personne n'a trouvé. Mais what? Je l'ai pas vu dans le chat non plus. N'a pas le droit de tuer de Blaze. Un autre joueur doit récupérer les Blaze Rod pour lui. Ah, et c'est pour ça qu'il m'a demandé. Mais bien sûr, gros, tu m'as dit, vas-y mec, je fais les ghasts, etc. Je peux faire le plus. Mais bien sûr, mec, je vais t'aider. Et ouais. Bon, on va faire maintenant le décompte des subs. Tous les décomptes des subs. On va se mettre en face cam un par un et vous allez entendre la régie donner le nombre de subs que vous allez payer. On commence par Matox. Zéro. Je vais juste faire un petit rappel. Du coup, en global, il y avait 42 qu'on a rendu à 44 parce que divisé par 4, 42, c'est compliqué. Du coup, 44. J'ai déjà perdu sub globaux. Ouais. Okay. Ça fait 11 par personne. Ouais, ok, 11 subs par personne. Du coup, Matox, avec le 11 sub moins 25, bah 0 sub. Ok. Dwagby, 11 moins 25, 0 sub. Moins 20. Et après, j'avais eu la pénalité aussi. Hein. Moins 20, parce que vous t'avez été découvert. Du coup, moins 20 au lieu de moins 25. Ouais, c'est ça. 0 sub. Gotaga, 11 moins 20, ça fait 0. 0 sub, mon frérot, bien joué. Plus 5 solo, ça faisait 16 en tout. Donc, moins 25, ça fait 0. Oh. Alors, Gil, ça faisait 11 plus Attends. 15. C'est ça, moins 20. Ouais. 26, 6. Ah, 6 quand même. 6 sub. 6 sub. Ah bah, ça et régale. En plus de tout ça, pour la personne qui a fait le plus de défis, il gagne un trophée Royal Rumble. Mais non. Du coup, un trophée oh Gotaga. Matox qui repart avec le trophée Royal Rumble. Enfin, le trophée du coup pour la soirée Minecraft. GG, ça fait plaisir quand même, j'imagine. Et honnêtement, c'est très très mérité. Oh putain, il y avait aussi un délire où celui qui trouvait le meilleur titre. Après, peut-être lié au sub aussi, parce que vu que la récompense c'est des subs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Vu que le concept de base c'est d'avoir un stack de subs à payer et ensuite le réduire en fonction des missions de la soirée. Moi j'ai eu une idée de Gabe, il a dit substack, dans le sens où stack ça rappelle Minecraft et en même temps ça fait le jeu de mots substract. Ah. Et il y a l'idée des subs. Allez, faut refaire le sondage. Substack, Master Quest, Subquest. Il reste encore un peu de temps, mais effectivement la substack est largement dessus, ça convient à tout le monde. Ça peut être le nouveau nom de cette émission. Bah voilà. Comment vous avez trouvé en tant que justement invité tout ça Expert du jeu aussi. Moi je me suis régalé. Hein. Ouais. C'était ouais, mon domaine. Et autre chose, sachant qu'on a déjà réfléchi aux premières améliorations sur la prochaine édition, donc comme l'a dit Gotha, c'est plus de fluidité dans les missions et en même temps les récompenses, donc il y a une plus grosse logique pour qu'on finisse par payer des subs malgré tous nos efforts. Et deuxième option, c'est de donner un peu plus la main au chat, c'est ce qu'on va essayer de faire avec Gil là qui nous a proposé l'idée d'interagir directement dans la game. C'est-à-dire que vous allez peut-être pouvoir faire passer la nuit d'un coup, vous allez peut-être pouvoir faire apparaître une horde de mobs quelque part. Justement, bah nous on sera aussi surpris de par vos décisions à vous, et donc ça c'est vraiment une évolution qu'on a envie d'apporter rapidement dans la nouvelle émission de Substack. Excusez-moi, on est en train de débrief de notre côté aussi. Bah, on va vous remercier une dernière fois, Gil et Matox, si vous avez quelque chose à dire au chat, parce que c'est vrai que juste un grand merci à tout le staff qui bosse sur la map, parce que derrière vous vous rendez pas compte le staff qu'il y a les gars pour coder ça, et dites-vous qu'il y a un admin qui est sur la map avec nous toute la soirée. Gil, un petit mot pour le chat. Merci d'avoir été gentil avec nous. C'est clair. Et bah merci pour l'invitation, et c'était cool, et voilà. Matox, pareil, en tant que gagnant, détenteur du titre. J'espère qu'ils ont apprécié, quoi. Puis je les remercie pour leur bienveillance, et puis voilà. Merci à toute la communauté Minecraft, en espérant que vous avez kiffé. Nous, on va vous souhaiter une bonne soirée, en espérant que vous avez kiffé encore une fois. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux. Et on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle soirée, tout simplement.